Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir d'accueillir Pierre Fayard aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Et nous allons Bonjour. parler de l'art de la guerre, pour construire sa stratégie avec ses équipes face à ses concurrents dans un univers international bouleversé. Les enseignements de l'art de la guerre et de Sun Tzu, général du 4e siècle avant Jésus-Christ, général chinois, qui est peut-être un mythe, peut-être a-t-il existé, on ne sait pas encore, il garde tout son mystère. Ce qui est certain, c'est que ses écrits sont passionnés et ont marqué notre histoire. Voilà, on est ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Alors attendez juste une seconde, il faut que je lance le live sur LinkedIn si c'est possible, parce qu'on a un certain nombre de personnes qui se sont inscrites sur LinkedIn. Bien, écoutez. Voilà, bah écoutez, on va avancer. C'est pas grave. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez toujours nous rejoindre sur GoToWebinar. Alors, avant de commencer, merci à tous de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi formidables. Aujourd'hui, vous êtes près de 250 inscrits pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. La semaine dernière, vous étiez également nombreux pour écouter une success story d'une très belle start-up créée par Antoine Tranhu et Julie Pommollet, Deli Corner, qui en quelques années s'est imposé comme le leader de la fourniture de bien-être et de bonheur en entreprise à travers la livraison de plein de bonnes choses qui sont bonnes pour la santé et pour le moral de vos équipes. N'hésitez pas à retrouver cette success story sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'excellence commerciale qui permet d'engager vos équipes en France et à l'international dans les enjeux de transformation, de montée en puissance, d'onboarding, de nouveaux rituels managériaux, de nouveaux modèles de vente. Donc, une plateforme de management, de communication et d'engagement pour vos équipes. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des univers aussi variés que la technologie, la grande distribution ou l'industrie. Voilà, la page de publicité est terminée. On a le grand plaisir de vous accueillir, Pierre, aujourd'hui. Alors, Pierre, vous avez eu mille vies. Vous êtes d'abord journaliste scientifique, puis vous êtes chercheur à l'université. Vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères au Brésil, puis au Pérou. Depuis 2016, vous êtes professeur émérite à l'université de Poitiers. Vous avez lancé la chaire d'intelligence économique et vous continuez vos activités de recherche. Et vous êtes particulièrement un spécialiste des relations entre culture et stratégie, et vous trouvez vos inspirations dans des cultures que vous avez étudiées et que vous connaissez bien, qui sont notamment les cultures chinoises, la culture japonaise, la culture des États-Unis et puis la culture brésilienne. Vous êtes auteur, hein, vous êtes auteur et vous êtes traduit dans plusieurs langues, et votre livre Comprendre et appliquer Sun Tzu s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Il a été coup de cœur de la FNAC. Il est disponible chez Nature et Découverte aujourd'hui pour les fêtes de Noël. Donc, n'hésitez pas, c'est un très joli cadeau à mettre en bas du sapin. Voilà, bienvenue Pierre dans les masterclass de l'excellence commerciale. Alors, peut-être qu'on peut commencer par Sun Tzu. Sun Tzu, général, mythe. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Sun Tzu? Ouh là là, c'est une vieille histoire. C'est un peu par hasard en fait. Je l'ai rencontré boulevard Saint-Germain un soir d'hiver. J'ai vu, il y avait un livre qui s'appelait Les 13 articles, c'est-à-dire c'est le texte original
le premier texte, la première traduction en français, qui était due à un père jésuite, Joseph Amiot. Et donc j'ai vu ça, je ne sais pas pourquoi je suis rentré, et j'ai feuilleté, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et en revenant à Poitiers, j'habitais à Poitiers, c'était à Paris ça, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de mêler l'art de la guerre de Sun Tzu avec les stratégies de communication. Alors j'ai commencé à l'enseigner et ça m'a pris 9 ans la première édition. Hein. Et en fait, je remercie beaucoup mes étudiants parce que c'est grâce à eux que j'ai pu peaufiner au fur et à mesure ce livre. Et donc voilà. Alors pourquoi j'ai fait ce livre? Parce que je suis un vulgarisateur dans l'âme. J'ai toujours aimé faire communiquer des gens qui ne se comprenaient pas forcément ou qui avaient des langages différents. Je commençais avec le journalisme scientifique. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Donc finalement, ce livre Comprendre et appliquer Sun Tzu, eh bien, c'est comprendre et appliquer. Et appliquer. C'est un livre de vulgarisation où j'ai voulu donc présenter la stratégie à la chinoise de la manière la plus presque ludique possible. Hein. C'est-à-dire que pour donner à comprendre Sun Tzu, qui est la référence mondiale actuellement, j'ai recours à un autre traité de stratégie chinois qui est le traité des 36 stratagèmes et qui a le gros avantage de raconter des histoires que j'ai reprises, que j'ai changées, j'en ai inventé d'autres. Et donc, ça raconte des histoires. Une fois, c'est un lion et un renard. Une autre fois, c'est responsable de gestion du savoir dans une entreprise. Enfin, c'est extrêmement varié. Et chaque histoire, elle est relatée. Hein, ça fait une page ou deux. Et ensuite, il y a le décryptage stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les principes qui sont à l'œuvre derrière ces histoires? Donc voilà, c'est quelque chose qui, j'espère, qui est plaisant à lire et qui peut se lire. On peut commencer par n'importe quel stratagème, puisqu'il y en a 36. En fait, il y en a 37, j'en ai rajouté un dans la cinquième édition. Et l'appliquer dans sa vie quotidienne et professionnelle. Donc, c'est le propre de la stratégie. Donc, dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Alors, bon, chacun aura, ça résonne plus ou moins en fonction de l'expérience de chacun. Alors, vous avez sélectionné quelques-uns de ces 36 stratagèmes. Avant de rentrer, on en a sélectionné 4 ou 5. Avant de rentrer dans ces stratagèmes, qu'est-ce que Sun Tzu nous dit la stratégie est d'abord une ruse, hein, vous dites dans votre ouvrage. Qu'est-ce que Sun Tzu nous dit globalement de comment est-ce qu'on mène une stratégie? Vous mentionniez lors de notre préparation le fin du fin de la stratégie chinoise, c'est qu'on ne la voit pas. Oui, on voit le résultat, mais on ne voit pas le processus. Alors, il y a tout un tas de citations de Sun Tzu. Par exemple, en écho avec votre question, les armes sont des instruments de mauvais augure. C'est un peu bizarre pour un traité de stratégie. Et alors, si on continue, c'est il ne faut s'en servir qu'en tout dernier recours, quand tous les autres moyens ont échoué. L'art, le fin du fin de l'art du stratège, c'est gagné par la ruse, éventuellement par la diplomatie, et puis alors si on est vraiment très très mauvais, ben par les armes. Mais je veux dire, utiliser les armes, ça veut déjà dire qu'on a perdu. Enfin, parce que conquérir, que ce soit une entreprise ou un pays, en le détruisant, quel bénéfice? Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans une stratégie à la russe. On est dans une stratégie qui prône trois. Il y a trois principes, si vous voulez. J'ai voulu, dans cette cinquième édition, mettre en relief trois principes qui sont propres à la stratégie chinoise. Mais avant ces trois principes, je crois que ce que Sun Tzu nous dit, c'est qu'il faut oublier nos objectifs. On met entre parenthèses nos objectifs, on les oublie. Et on va regarder la situation pour voir quel est le potentiel, quels sont les potentiels qui existent dans une situation donnée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir
animé, de quoi on va pouvoir profiter, parce que le premier principe de la pensée stratégique chinoise, c'est l'économie. Comment obtenir beaucoup avec peu, voire avec les moyens des autres. Donc on oublie son objectif, on travaille à l'économie, on est également, et c'est le premier des stratagèmes, avec toujours des titres très évocateurs et très poétiques, le premier de ces 36 stratagèmes du traité des 36 stratagèmes, c'est caché dans la lumière. Caché dans la lumière. C'est un très joli titre. Oui, ben c'est un paradoxe. Alors, si vous voulez, j'ai donné des titres originaux à la plupart à pratiquement tous ces stratagèmes pour qu'ils puissent nous parler à nous, lecteurs occidentaux. Le titre traditionnel de Caché dans la lumière, le titre chinois, c'est Mener l'empereur en bateau, en obscurcissant le ciel, enfin, un truc comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui renvoie à une histoire. À l'histoire chinoise, hein, à une bataille, l'histoire chinoise. Et j'ai voulu cacher dans la lumière, c'est paradoxal. Hein. En général, on va cacher dans l'ombre, on va mettre des choses, on va utiliser le secret, etc. Et en fait, ce que nous dit Sun Tzu, c'est que si on a quelque chose de risqué à faire, il vaut mieux le faire de manière ouverte. C'est-à-dire sans alerter. Et pourquoi cacher dans la lumière? Parce que y a une histoire d'Edgar Poe, justement, que je rappelle. Si vous voulez, c'est l'histoire d'un suspect. Et la pièce à conviction pour le condamné, c'est une lettre particulière. Alors, les détectives, les policiers recherchent cette lettre dans les endroits les plus cachés, les plus secrets, etc. Alors que cette lettre est affichée dans le bureau du suspect. Et en fait, il utilise le potentiel, il utilise la croyance, hein, que c'est dans l'ombre que l'on cache, pour pouvoir mettre en sécurité cette pièce à conviction. Donc en fait, il s'agit d'un paradoxe. Mais c'est un paradoxe qui va vous utiliser. Si je veux vous cacher quelque chose, je vais renforcer votre croyance que ça sera dans des endroits discrets, ombragés, etc., etc. Donc parce que vous allez croire ça, je vais utiliser cette croyance, hein, pour faire quelque chose de manière ouverte. Et ce sera tellement ouvert que vous penserez que c'est normal. Et dans cette normalité, ben, donc, il y aura le secret qui sera mis en sécurité. Caché dans la lumière. Deuxième stratégie que vous avez sélectionnée, rendre l'inutile indispensable. Rendre l'inutile indispensable. Oui, Ça, alors. en tant que commercial, et il y a beaucoup de directeurs commerciaux, managers commerciaux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est finalement presque une vocation d'essayer de faire comprendre aux clients pourquoi est-ce que notre service, notre produit est indispensable alors qu'à première vue, ils pouvaient le considérer sans le connaître comme inutile. Donc, je pense qu'on aura des oreilles attentives là. Oui, alors c'est un processus, c'est une méthode, hein, rendre l'inutile indispensable, qui consiste à rentrer par la petite porte, c'est-à-dire aller d'une stratégie avec un faible investissement vers quelque chose qui va être de plus en plus nécessaire. En fait, c'est une. Je l'ai éprouvé à mes dépens, cette stratégie, hein. C'est-à-dire que j'avais une seconde comme ça qui finalement devait m'assister, qui progressivement est devenue de plus en plus nécessaire, indispensable et incontournable. Vous voyez? Donc, il y a une histoire, vous savez, il y a un film qui s'appelle Boudu sauvé des eaux. C'est avec Depardieu et avant c'était avec Michel Simon. C'est l'histoire d'un SDF, on dira aujourd'hui, qui est récupéré dans une maison bourgeoise et qui, petit à petit, utilise toutes les opportunités pour se rendre indispensable, mais sans que l'on voit qu'il y a derrière là une stratégie en œuvre. Vous voyez, on va, on va, euh, euh,
On va participer à la cuisine, on va faire des activités culturelles ensemble, on va faire des tas de petites choses qui vont créer une relation de confiance telle que finalement, ce qui était inutile, le SDF, donc il n'avait aucun statut, enfin, statut d'SDF, et il va progressivement donc devenir indispensable au point de prendre la place de ceux qui étaient les maîtres jusque-là. Dans la lignée de ce fameux film coréen là, de 2019, Parasite, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est tout à fait dans cette dynamique de personnes qui se rendent progressivement indispensables Voilà. à la famille. Et alors concrètement, en entreprise, est-ce qu'on peut avoir des applications concrètes, alors soit dans un environnement concurrentiel, soit au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, au sein des équipes, dans cette dynamique parfois un peu politique qu'on peut avoir dans les grandes organisations particulièrement, comment est-ce qu'on peut appliquer ce principe, rendre l'inutile indispensable? Rendre l'inutile indispensable. Eh bien, encore une fois, donc, d'abord rechercher toutes les... la stratégie de Sun Tzu, c'est une stratégie en fonction de ce qui existe. Ce n'est pas une stratégie a priori. Une stratégie a priori, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai un objectif, j'accumule des moyens, je le mets en œuvre pour arriver à la décision. Stratégie a priori. On part de l'extérieur pour transformer une situation. Dans la stratégie en fonction, on va regarder toutes les opportunités. Vous voyez, donc c'est encore une fois, on met entre parenthèses ces objectifs et on va identifier tous les potentiels pour ne pas agir seul. Et ça, c'est une caractéristique de Sun Tzu. Ne jamais agir tout seul, mais agir avec le bénéfice de tout ce qui est comme tendance, le bénéfice des circonstances, si vous voulez. Donc, on va affûter ces arguments, non pas. Non pas les imposer de l'extérieur, mais faire en sorte de profiter de toutes les de tous les appels d'air, si vous voulez. C'est un petit peu l'image du commercial qui vend des voitures. Vous venez le voir pour acheter une voiture et il va vous dire qu'est-ce que vous aimez comme voiture? C'est quoi pour vous une voiture? Donc en fait, vous n'allez pas apporter vos arguments, vous allez faire en sorte de mettre en lumière les arguments de l'acheteur. Vous voyez? Donc c'est ça, cette stratégie en fonction. C'est une des caractéristiques. Et toujours chercher le potentiel dans toutes les situations. C'est intéressant de suivre d'ailleurs ce qui se passe, ce que fait la Chine avec la crise ukrainienne. Donc, ne considère pas la stratégie comme une morale quelconque, etc. C'est qu'est-ce qu'il y a comme potentiel, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux orchestrer comme besoin, voyez? C'est plus de l'orchestration de besoins que apporter des arguments pour arriver à convaincre de l'extérieur. On va chercher à convaincre de l'intérieur avec les arguments de l'autre. De l'interlocuteur. Comment je peux orchestrer les besoins de mon interlocuteur. Alors ça fait référence au troisième stratagème que vous sélectionnez, c'est celui que vous nommez la stratégie adore le vide. La stratégie adore le vide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors justement, bon, c'est un peu provocateur. La stratégie adore le vide, c'est-à-dire que c'est dans le vide qu'on peut arriver à faire naître des stratégies plus économiques. Alors, c'est pas complètement un vide, hein. Donc là, il y a une histoire qui illustre ce stratagème. C'est l'histoire d'un conseiller qui est au chômage et qui veut trouver un emploi. Et en fait, il va utiliser les passions d'un monarque pour la gent féminine, pour lui faire miroiter la possibilité d'avoir de nouvelles concubines, etc. Et donc, à partir de ce potentiel, le goût de ce souverain, il va déclencher tout un processus parce que les concubines qui sont là, qui existent, ils vont dire, oula, il va y avoir des concurrentes, ça va pas aller. Donc, elles disent au futur conseiller de ne pas se rendre dans cet endroit extraordinaire. Enfin, bref,
Si vous voulez, il y a toute une. À partir du jeu sur l'information, il y a des femmes merveilleuses qui sont là-bas très loin, les concubines qui disent n'y va pas, sinon tu vas avoir des bricoles. Le conseiller dit mais le roi m'a payé, je suis obligé d'y aller. Les concubines disent mais nous, on va t'en donner encore plus. Et puis au final, le roi finit par se rendre compte, bah, avec toute une mise en scène, que finalement ces concubines sont les plus merveilleuses, et il y a toute la cour qui applaudit pour célébrer la beauté, l'intelligence, le goût artistique des concubines, etc. Donc le roi se sent conforté, et le conseiller est embauché par le roi, a un contrat par le roi, parce que le roi le trouve très bon. Pourquoi il le trouve très bon? Parce qu'il a les mêmes goûts que lui. Il est engagé secrètement par les concubines parce qu'elles savent qu'il peut défendre à la fois deux intérêts différents, et lui sait qu'il peut se servir trois intérêts différents, celui du roi, celui des concubines et le sien. Mais tout ça en jouant en fonction, c'est-à-dire je vais semer une information qui va créer un comportement, qui va induire un autre comportement, qui va mobiliser d'autres acteurs, etc., etc., etc. Et tout ça en étant le plus invisible possible, en ayant sa volonté rendue la plus invisible possible. Donc finalement, est-ce qu'on n'arrive pas à un paradoxe de une stratégie, c'est de l'opportunisme et c'est l'absence de stratégie? Ah oui, alors l'absence de stratégie. Justement, j'ai rajouté un 37e stratagème que j'ai appelé la ruse des ruses, qui est en fait un stratagème en toute dernière extrémité. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas reprendre l'histoire, c'est l'histoire de. Au Brésil, on appelle ça o pulo do gato, c'est le saut du chat. Hein. C'est un chat sauvage qui se fait emprisonner par un tigre qui est jaloux et qui veut le tuer. Et puis, donc, il le piège, le tigre piège le chat sauvage. Et puis, d'un seul coup, il se dit, ah, mais faudrait peut-être pas que je le tue tout de suite. Je vais lui demander qu'il me raconte un peu tous ses stratagèmes, tout son savoir-faire. Alors, il dit, bon, tu auras la vie sauve si tu me racontes un peu tu me transfères tout ton savoir-faire. Il lui administre un sérum de vérité. Hein, bon. Histoire de pour pas qu'il raconte pour qu'il ne cache rien. Et le chat livre tous ses stratagèmes, ses trucs, son savoir-faire, etc., jusqu'au jour où le tigre se rend compte qu'il n'a plus rien à livrer. Et alors à ce moment-là, il s'approche du chat pour le tuer, parce qu'en fait, il n'a jamais eu l'intention de le laisser libre. Il s'approche, et à ce moment-là, le chat fait un bond prodigieux qui le met hors de portée. Alors le tigre se scandalise, il dit, mais comment tu m'avais pas dit ça, pourquoi tu m'as menti? Et le chat dit non, je te l'ai pas dit parce que je ne savais pas, je connaissais pas ce bond extraordinaire. Et c'est parce que je ne le connaissais pas que j'ai pas pu te le livrer. Vous voyez, donc, quand on est dans des situations comme ça, extrêmes, et ça arrive à tout le monde, moi ça m'est arrivé, il faut y aller à l'inspiration, mais sans livrer de signes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, bon. Marche, marche pas, mais quand on est en dernière extrémité, moi ça m'est arrivé au moins deux fois, mais je vous raconterai pas pourquoi, bah c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Hein. Donc finalement, c'est par l'ignorance, j'ignore ce que je vais faire, mais je vais le faire. Et les Brésiliens disent au final, dá certo, mais ça c'est du brésilien. Donc finalement, une grande agilité et puis probablement aussi la confiance dans les ressources insoupçonnées que chaque collaborateur ou que chaque équipe a. Et on l'a vu pendant les 2 années qu'on a vécues, notamment pendant les confinements, avec des personnalités qui se sont révélées et qui ont pris une nouvelle ampleur dans leur manière de manager leurs équipes, alors qu'elles n'étaient pas, dans les meilleures auparavant. Le 36e stratagème, Oui. c'est un stratagème qui est l'éloge de la fuite. L'éloge de la fuite, c'est savoir également fuir dans la guerre. Oui, c'est surtout préserver son potentiel. C'est-à-dire, pour les Chinois, c'est le stratagème des stratagèmes, hein, le 36e.
C'est l'histoire de la longue marche de Mao Tse-Toung. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mourir comme un héros, c'est de la bêtise dans la pensée de Sun Tzu. Hein. L'important, c'est soit je peux gagner, je peux l'emporter, auquel cas j'emporte. Bon, ben là, y a pas photo. Soit si la situation est défavorable et la défaite annoncée, à ce moment-là, il faut fuir. Pourquoi? Pour préserver son potentiel. On préserve son potentiel parce que, comme la roue de la fortune tourne, à un moment ou à un autre, la situation redeviendra favorable. Donc, si vous voulez, derrière cela, vous avez la pensée du yin et du yang, hein, donc du plein et du vide. Le plein, en fait, le plein, c'est quelque chose qui est en train de se vider, et le vide, c'est quelque chose qui est en train de se remplir, hein. Donc, il y a cette pensée, si vous voulez, chinoise, qui considère que la seule réalité, la seule constante dans la réalité, c'est le changement. C'est le changement. Hein. Donc tout change. Donc il faut arriver à savoir se positionner dans ce changement pour bénéficier des tendances. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi un aspect assez fondamental de la pensée chinoise. Comme tout est changeant, je vais chercher à développer la connaissance des situations pour pouvoir m'y insérer de manière astucieuse et bénéficier de l'effet de vague, d'être porté par les vagues plutôt que de se les prendre dans la figure. Alors, un certain nombre de ces préceptes sont finalement pas familiers du tout. Nous, on travaille beaucoup, on a dans notre histoire, à travers la filmographie, à travers l'esprit européen, peut-être l'esprit français, on parle de courage, on parle d'honneur, on parle de bravoure, on parle de panache. On est à l'antinomie de ces stratégies que Sun Tzu nous livre aujourd'hui. Oui, en fait, le panache, tout cela, ça peut être bon pour la propagande, hein, ça peut servir aussi, hein, donc les Chinois ne crachent pas là-dessus. Mais effectivement, c'est de la stratégie invisible, c'est-à-dire plus elle est invisible, moins on risque de se faire attaquer, si vous voulez. Hein. Donc c'est effectivement, c'est le contraire de la culture stratégique nord-américaine, si vous voulez. Qui a besoin de lignes de front avec d'un côté les bons, d'un côté l'autre côté les mauvais, avec Dieu à ses côtés, évidemment. Là, il n'y a pas de morale, hein. L'important, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité au moindre coût. C'est pour ça qu'on va s'harmoniser. Il y a aussi un principe, c'est le principe d'harmonisation. Je vais m'harmoniser avec les circonstances pour pouvoir en tirer bénéfice. En étant toujours le plus invisible possible, mais surtout en pensant qu'il y a toujours du potentiel. Ce n'est pas parce que l'autre est mon concurrent, mon ennemi, qu'il ne peut pas m'être utile. Et comment il va m'être utile? Ben parce que je vais le connaître. Une autre citation très, très, très connue et citée de Sun Tzu, c'est: celui qui se connaît et qui connaît son adversaire ne sera jamais vaincu. Alors pourquoi il ne sera jamais vaincu? Parce qu'il sait quand il peut s'engager ou quand il vaut mieux pas s'engager. Vous voyez? Donc il y en a qui. Une des interprétations, on dit il va gagner toujours. Non, on ne gagne pas toujours, mais on sait quand on peut gagner ou quand il vaut mieux se retirer et mettre de côté son potentiel, le préserver, parce que vu que le monde est une transformation permanente, il y aura des moments qui vont être favorables. Donc pour cela que ce n'est pas les armes qui sont importantes, ce n'est pas forcément les arguments, c'est la connaissance. On appelle ça l'intelligence maintenant. Mais c'est ça l'essentiel, le plus important. Et là, on va savoir quand s'engager, comment s'engager, hein, où se retirer. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, distingue quatre grands facteurs de réussite pour un général. Le premier de ces facteurs de réussite, c'est la vertu. Finalement, comment est-ce qu'on définit la vertu quand il n'y a plus de morale? L'efficacité. Une autre citation de Sun Tzu, c'est: la première tâche du général, c'est de se rendre invincible et d'attendre des occasions de victoire, des erreurs de son adversaire.
Alors, comment est-ce qu'on se rend invincible? Eh bien, précisément, un général se rend invincible en ayant le soutien, l'adhésion, la confiance de ses soldats. Et c'est dans une armée comme dans une entreprise, comme dans une nation. Le lien, la relation entre la base et le sommet, à travers aussi les strates, est fondamentale. Parce que c'est une façon, si on n'a pas ça, on n'agit pas comme un seul homme, si vous voulez. Hein. Bon, il y a des exemples tragiques actuellement en Ukraine là-dessus. Vous voyez, d'un côté, on a un président qui est charismatique, qui prend des risques, qui ose, qui brave et qui a le soutien. Il a un soutien terrible. Donc, être vertueux, c'est ça. Être vertueux, c'est préserver les intérêts de l'État ou de l'entreprise ou de la nation, hein, en développant justement cette qualité qui va faire en sorte que les relations vont être positives, relations de confiance. Celui qui se connaît et connaît son adversaire ne sera jamais vaincu. Ça passe tellement vite, Pierre. On est déjà à la fin de cet entretien. Un immense merci pour cet échange. Alors, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous vous précipitez dans toutes vos librairies préférées, à la Fnac ou chez Nature et Découverte pour acheter, comprendre et appliquer Sun Tzu. C'est là, cinquième édition, c'est ça, Pierre? Cinquième, oui, c'est la cinquième. Cinquième Et chaque fois, édition. je l'ai repris complètement. Hein. J'ai repris du début à la fin. Et là, Et j'ai un vous y site. re et Oui. vous y retrouverez les 37 stratagèmes dont nous avons décrit certains d'entre eux. L'art de la guerre, bien sûr, vous pouvez également offrir l'ouvrage original de Sun Tzu aux éditions de référence. Et puis, un de vos interviews sur les relations géopolitiques dans la revue Communication et Influence. Voilà, des très belles idées de cadeaux à mettre au pied du sapin pour ceux qui n'ont pas encore fini leur cadeau de Noël. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Et Pierre, si vous avez encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de vous garder pour répondre aux questions de nos auditeurs. Alors, on va regarder les questions. Alors, quand vous parlez de stratégie à la ruse, cela suppose, me semble-t-il, que c'est seulement une des parties qu'il utilise pour que ça puisse aboutir. Mais qu'en est-il du cas où ce sont les deux parties qui recourent à cette démarche basée sur la ruse? C'est Rafika qui nous pose la question. Ben, en général, je veux dire, quand on fait de la stratégie, il faut savoir qu'en face, il y en a d'autres qui font aussi de la stratégie. Donc, c'est à ruser, ruser et demi. Je pense que là, c'est celui qui va le mieux connaître finement son concurrent, son adversaire ou son interlocuteur qui sera à même de pouvoir être invisible, hein, d'avoir une stratégie la plus invisible qui soit, pour pouvoir l'emporter. Mais en général, je veux dire, la ruse, tout le monde utilise la ruse. Vous savez, le nouveau-né, il va vite comprendre que s'il veut quelque chose, il va le manifester soit en pleurant, soit par des sourires qui vont faire complètement fondre ses parents. Hein? Donc c'est une manière, je veux dire, la ruse, on dit que c'est l'arme des faibles. Non, je crois que c'est ce qu'il y a de plus créatif dans la stratégie. Même si en Occident, on dit oui, la ruse de guerre, c'est un expédient. Pour les Chinois, ce n'est pas comme ça. Pour les Chinois, c'est une priorité. C'est un La mode ruse, majeur. c'est la priorité. Autre question. Quelles sont les plus grandes menaces externes pour l'économie française? Alors ça, c'est une question assez large. Oui, il y a une menace, mais il y en a.
C'est l'économie française. C'est l'économie française. Écoutez, j'ai vécu dans quelques autres pays et je suis désolé de le dire, enfin je suis désolé, non, je ne suis pas désolé de le dire, mais on vit dans un pays merveilleux, formidable, qui a vraiment un nombre d'atouts, mais considérable. Et quand on se promène un petit peu dans d'autres pays, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais je pense que j'aurais tendance à le voir plus en positif. Et l'un des grands atouts, c'est le sens du défi. On aime bien défier, on aime bien créer des choses, on aime bien inventer. Alors après, il y a l'innovation qui ne suit pas toujours, mais ça, c'est pas un danger. Au contraire, c'est une qualité, c'est une compétence qu'on retrouve dans tous les, je pense, dans tous les domaines, y compris dans l'université d'ailleurs. Les plus grandes menaces, c'est peut-être soi-même, je ne sais pas, un manque de confiance peut-être. Mais justement, ce livre que j'ai fait sur les 36 stratagèmes et Sun Tzu, c'est pour montrer tout le potentiel qu'il y a dans la stratégie. Je veux dire, on a des attitudes, par exemple, ah, j'ai un super produit, donc je vais le booster, je vais dire, regardez mon produit comme il est bon, etc., etc., mon service, etc. D'accord, mais je veux dire, on vous attend au tournant. On sait que si c'est votre produit, vous allez pas dire, non, il est mauvais, achetez-le quand même. C'est pour ça que cette stratégie en fonction, on va d'abord chercher à écouter l'autre, à voir, à le regarder discrètement. Et à partir de là, les arguments, on va les prendre dans son registre à lui. Voyez? J'ai une question de Vincent. Vous parliez de stratégie à l'américaine et à la chinoise. Comment qualifieriez-vous la stratégie à la française? C'est Astérix. C'est Astérix. Il y a de très très bons traités de stratégie français, notamment je pense à ce qu'a écrit le général André Beaufre, qui lui considère la stratégie comme l'art de l'interaction des volontés, hein, utilisant la force pour résoudre leurs conflits. La stratégie française, je pense qu'on aime bien le défi. On aime bien le défi, le challenge. Et puis bon, Astérix, oui, je dis Astérix, mais Astérix, c'est quoi? C'est le petit village là, qui résiste à l'Empire. Alors, quand c'était l'Empire romain, bon, c'était contre les Romains. Après, c'était l'Empire américain. Bon, on a fait l'exception culturelle, notamment. Maintenant, c'est les Chinois, donc il va falloir trouver une stratégie pour pas se faire dévorer tout cru. Mais je pense avant tout, vous savez, lorsque j'ai commencé à donner des cours sur Sun Tzu en communication, je demandais aux étudiants systématiquement de faire une évaluation, de dire ce qui les avait intéressés, ce qui manquait, etc., leurs commentaires. Et il y en a un qui était très bon d'ailleurs, parce qu'il a inventé des beaux stratagèmes dans les exercices qu'on faisait, qui m'a dit, on a eu l'impression de devenir adulte. C'est-à-dire que nous aussi, on pouvait jouer. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire avec ce livre, montrer à travers des exemples très divers, hein, que finalement, la stratégie, c'est pas Rambo, c'est pas un truc de brute, c'est beaucoup plus intelligent et créatif que ça. Et l'ingrédient fondamental, c'est la liberté de penser. Or, la liberté de penser, c'est quand même quelque chose qui est sacrément attaché dans notre culture française. J'ai Antoine, le conflit est souvent source d'énergie. L'harmonie que vous prônez n'est-elle pas anesthésiante? Alors, l'énergie, oui, le conflit, bien sûr, ça stimule. Mais cette harmonie, ce n'est pas peace and love, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. C'est comment je vais me couler dans une situation pour être le moins visible possible, pour pouvoir profiter des potentiels et utiliser des paradoxes pour mettre ma stratégie en sécurité. Vous voyez? Donc, c'est pas. Il y a un travail de l'harmonie.
C'est un travail de l'harmonie. C'est-à-dire que, comme dans la relation commerciale, hein, vous allez chercher à créer du commun, à créer des choses qui vont. Donc, vous harmonisez, vous coulez dans les contours de la situation, si vous voulez. C'est un travail actif, c'est pas quelque chose de passif. J'ai fait beaucoup d'aïkido et je vous assure que quand on s'harmonise sur un tatami d'aïkido, ça dépense de l'énergie. Hein. Comment Sun Tzu considère-t-il le soldat, l'homme et sa motivation? Est-il un pion ou un élément de la victoire? Il est un élément de la victoire. Il est un élément de la victoire. Et tout à l'heure, on parlait de différence entre la culture stratégique nord-américaine et chinoise. Lorsque j'expose ces deux de manière comparative, je fais référence au jeu de Go et au jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, vous cherchez à maîtriser le centre, hein, parce que là, vous êtes menaçant et puis vous protégez. Dans le jeu de Go, pour aller vite, on va créer des solidarités. C'est-à-dire qu'on va partir des bords du Goban, hein, on va commencer petit et puis on va avancer progressivement à travers ce qu'on appelle des pierres noires ou blanches, enfin des pions blancs ou noirs, qui vont créer des lignes de sécurité, d'accord, qui vont prendre des territoires, qui vont, bon, parce que le but, c'est d'arriver à prendre des territoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la stratégie des échecs, de manière assez caricaturale, on fait le vide dans les défenses adverses, on fait le vide. Alors pour les Chinois, dans le jeu de Go, on va acquérir du vide. On va créer des territoires en vie. Hein. Donc vous voyez, on a, pour créer, pour répondre à la question du participant, si vous voulez, la force d'une chaîne, c'est celle du maillon le plus faible. Donc, on va chercher à créer des solidarités qui vont faire en sorte qu'on deviendra invincible, comme je le disais tout à l'heure. Pierre, un immense merci. On arrive au terme de cette masterclass. On a beaucoup, beaucoup appris. C'est très, très inspirant. On retiendra tout cool. Hein, finalement, les Chinois ont peut-être inspiré Héraclite. On retiendra cacher des stratagèmes cachés dans la lumière. La stratégie adore le vide. L'éloge de la fuite qui nous renvoie à notre histoire, qui nous renvoie à nos principes fondateurs, à nos mythes et à leur validité dans un monde qui évolue très vite. Et je retiendrai particulièrement rendre l'inutile indispensable. Une masterclass en soi, c'est quelque chose de tout à fait inutile, mais grâce à vous, cette masterclass est devenue indispensable pour nous. Un immense merci de nous avoir éclairé sur Sun Tzu pendant cette demi-heure. Je vous donne rendez-vous à tous à la rentrée. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Pour penser à vos stratégies de croissance, à vos stratégies d'entreprise, à vos stratégies de carrière, grâce à vous, Pierre. Un immense merci et bonnes vacances à tous. Un grand merci à vous. Je vois French Tech réussir ensemble. Bravo. Tout est dit. Très bonne fête Merci, à vous Pierre. et merci pour cette invitation.